Et nut nut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Elphoris, petit gamer manchot à votre service. On est donc aujourd'hui sur les chroniques du démon, 23e épisode et dernier épisode sur DMC3. On va voir un petit peu, ce qu'on va faire. On va surtout terminer enfin ce jeu par quelque chose que vous n'êtes pas prêt. Clairement, vous n'êtes absolument pas prêt. Vous n'êtes tellement pas prêt qu'on part immédiatement. J'attends même pas 5 minutes. Vous allez comprendre. Je suis pas prêt non plus. Vraiment pas. What a surprise. Here I was looking for you, and lo and behold, you come to me. Mary. Don't ever call me that again. My mother was the only one who could say my name. Wait. Please. Do you really want to shoot me? Can you shoot me? Your own father. What have I done wrong? Even the heroic Sparta sacrificed a woman so that he could become a legend. I wish to be a god! And I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so awful? I have some unfinished business to take care of. Help me, Mary. Mary died a long time ago. My name is Lady. Goodbye, Father. No! Enfin, pleurer, là elle était carrément en train de faire de la pluie, hein, comme elle était là. Ok, bon, c'est bien, elle a pris le surnom que Dante lui a donné, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut acheter des objets? Oui, on peut carrément acheter une grande étoile de vie, on prend immédiatement. Et on va partir donc du coup sur la dernière mission, vous allez comprendre tout de suite. J'ai failli spoiler en le disant, mais je vous laisse regarder. Excusez-moi, il y a ma mère qui éternue, vous serez sur YouTube du coup. L'éternuement de ma mère sera sur YouTube. Voilà, elle est désolée sur YouTube. Attendez, juste 2 minutes, excusez-moi. Voilà, désolé. Donc, maman nude, vous qui voulez me dire un truc. Donc du coup, j'ai repris l'enregistrement. On est bon et on est reparti. Voilà, vous suivez maman nude, c'est ça. Elle pleurgole ou je rêve? Oui, elle a pleurgolé. Tout à fait JB, elle a pleurgolé. Allez, on y va. Ugh.
give that to me. No way. You got your own. Well, I want yours too. What are you gonna do with all that power, huh? No matter how hard you try, you're never gonna be like Father. We're wasting time! We are the sons of Sparta. Within each of us flows his blood. But more importantly, his soul! And now, my soul is saying it wants to stop you! Unfortunately, our souls are at odds, brother. I need more power. And we're supposed to be twins. Twins. Right. Unlimited power! Allez, c'est parti. Et coucou Konjo qui vient d'arriver sur le live. Ah la vache. Ah la vache. Alors attendez, il faut que je prenne l'habitude tout de suite. Non mais c'est pas ce que je voulais faire, c'est de ma faute ça. Allez, allez! Ah, il est en forme démon, faut que je fasse attention. Ah merde, 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 merde. Ça lui fait rien ou c'est moi? Oh la vache! Il m'a démonté! Non mais ça lui fait rien. Ah voilà, c'est sous sa forme humaine en fait où il y a quelque chose qui se fait. Ouais bon d'accord. On va devoir recommencer, ça c'est sûr. Hein. Ah et merde. Ouais j'ai vu ça Kanjo. Tu vois? Je t'avais dit que t'en reviendrais du fond vert. Je te l'avais dit que tu reviendrais du fond vert rapidement. Ah la vache. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé ma petite pierre de force là? C'est vrai que j'y ai pas pensé. Aïe. Ah mais... En fait, quand je lui demande de faire une roulade, il me fait pas la roulade. Oh putain! Ah oui, il faut pas se faire prendre par son attaque, hein, parce que sinon c'est le bordel. Hein. Par contre, je sais pas ce qu'ils avaient avec... Hop! Putain de merde. Bon là je vais prendre l'objet, tant pis, parce que sinon on va pas s'en sortir. Je te répondrai après Kanjo, là il faut que je me concentre à mort. Ça va être compliqué. La caméra dans ce jeu, par contre, c'est toujours la même merde. Hein. C'est assez ouf. Aïe, 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 aïe. Ach.
Nope, nope. J'ai évité l'attaque. Alors en mode démon comme ça c'est pas la peine. En plus il regarde, il regagne de la vie tout comme moi hein. C'est exactement la même chose. Vache mais sérieusement. Ah t'as la 4G aussi mon grand. Oui, en plus, ça m'intéresserait, mais pas pour tout de suite. Je te le redirai, Kanjo. Mais justement, comme on est sur YouTube, on peut en profiter un petit peu. Mais pour une des émissions que je vous prépare, l'émission qui explique un petit peu le monde du jeu vidéo, en fait, hein, la création du jeu vidéo, etc., etc., j'aurai besoin d'un fond vert. Donc c'est parfait. Donc oui, on fera ça, Kanjo, on en reparlera. On en reparlera, mais ouais, carrément. Non! Oh là là! Je vais mourir avant, à mon avis. Hein. À mon avis, je vais mourir avant encore. En fait, c'est cette attaque-là que j'arrive pas à éviter. Voilà. Affronte à l'épée quand il est en démon. Bah oui, mais le problème, c'est que bon. Encore faut-il pouvoir esquiver ses attaques quand il est en forme démon aussi, quoi, tu vois. Et le problème, c'est que c'est pas le cas, donc... Il n'est pas si compliqué en vrai. C'est juste qu'il faut que je me concentre un minimum pour éviter ces grosses attaques comme celle-là. Voilà, là je l'ai pas évité là par exemple, vous voyez. Voilà, d'accord, donc là il est en démon. Non, tu vois, non. Il me. Non. Je me rappelle bien de quand il est en forme démon. Putain de merde! Et il faut courir. Tu peux pas l'avoir quand il est en forme démon. Ah putain. Voilà. Par contre, quand il est en forme Virgil classique, la queue Virgil, ça passe beaucoup mieux. Ah mais d'où? Ouais, bon bah c'est bon, ça va être mort. Voilà, bah là, voilà. Là, ça va être mort. Ça va être carrément fini, je vous le dis direct. C'est... voilà. Bon, ça fait 3 fois qu'on affronte Virgil, hein, pour ceux qui se demandent. Et ça fait 3 fois qu'il est casse-couille. Clairement. Et encore, je trouve que ça va. Je trouve que là, ça va par rapport à d'autres. Quand il avait le truc de Beowulf, quand il avait le Beowulf, c'était le pire. Ah merde, il m'a touché. Oh là là, oh, cet enchaînement. Mais d'où? Oh putain, mais... est-ce que t'es seulement sérieux? C'est surtout la caméra qui m'emmerde. Bon là, il est en mode démon, donc ça sert à rien. Tout ce qu'il va faire, c'est nous emmerder. Voilà. Et par contre, le combat ici, là... sans deck... bah, d'où la caméra en fait. Mmh, mmh.
quand la caméra veut pas, la caméra veut pas, hein. C'est assez abusé. Hein. Regardez, il a encore forme démon, quoi. Mais perd ta putain de forme démon, sans déconner. Allez, boum. Bon. Vous savez ce que ça veut dire sur YouTube. Je vous coupe et je vous reprends après. A tout de suite, YouTube. 1 hour later. Non, mais je vais la voir, hein, je m'en fous. Si je dois mettre 15 millions d'années, bah, je mettrai 15 millions d'années. Mais je l'aurai ce soir pour faire la vidéo. Pour plus tard, aujourd'hui. Aujourd'hui. Cette semaine. Surtout que la vidéo va sortir vendredi. Hein. Oui, bien évidemment. Non mais regardez-le. Il m'a jamais fait ça avant. Et là maintenant il le fait. Oui. C'est vachement naturel comme mouvement de combat. Le jeu tape en avant et ensuite je peux taper en arrière. Ah, essayez, hein, demandez à des pros du kendo, vous verrez ce qu'ils vous diront. Bah c'est pas mon pote, c'est mon frère. Et on n'a jamais été vraiment très très copain, hein, tu sais, avec Virgil en vrai. Hein, ça fait deux fois qu'on se tape contre lui. C'est le troisième combat qu'on a contre Virgil. Ok, c'est parti pour le je n'arrête pas de courir. Non, on t'aide pas comme ça. What? Pardon ? Quoi ? Mais non, mais il était même pas sur moi. Oh putain. Et cette attaque, c'est du grand n'importe quoi. Oui, bah vas-y, recommence là, écoute. No one can have this, Dante. It's mine.
belongs to a son of Sparta. Leave me, though, if you don't want to be trapped in the demon world. I'm staying. This place was our father's home. What an ordeal. You're still here. I need that back. No late charges, I hope. I'll think about it. We should be fine for now. But I'm sure they'll be back soon. Very soon. Are you crying? It's only the rain. The rain already stopped. The devils never cry. I see. Somewhere out there, even a devil may cry when he loses a loved one. Don't you think? Maybe. By the way, looks like we're gonna be busy for a while. Well, bring it on. This is what I live for! I'm absolutely crazy about it! Et maintenant on peut tout taper! Alors il faut essayer de tuer le plus de monstres possible. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une fin secrète. Donc je vais essayer. Sinon on ira la chercher. On ira la chercher autre part. Voilà, il faut en tuer plus de 200. J'en suis qu'à 18. Alors pourquoi, oui, c'est ça, j'allais dire. Pourquoi est-ce que ça augmente pas? En sachant que, bien évidemment, avec le temps, ça va devenir pire. Allez, allez, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye. Lady, tu pourrais m'aider, s'il te plaît. Enfin, ça pourrait compter, en vrai. Non, mais rapprochez-vous. Donc, c'est vraiment un truc à compteur, hein, pour ceux qui se demandent, hein. Ce qui est bien, c'est que là du coup on peut mourir tranquille. Enfin mourir tranquille. On peut se prendre des dégâts tranquille. On mourra pas. Donc oui, à l'époque, on faisait des trucs rigolos comme ça à l'intérieur des. Enfin rigolos. Ça dépend de ce que vous aimez, hein, bien évidemment, mais on faisait des trucs comme ça dans les jeux. Et encore à l'époque, je crois que Devil May Cry est un des seuls à vraiment l'avoir fait. Pour déconner, c'est pareil dans Mario, dans Rayman. Dans Rayman, vous pouvez aussi, pendant le générique, essayer de taper des trucs. Alors par contre, ça donne rien du tout.
Ah oui, vous entendez ma manette là. Et pourtant elle est sous le bureau la manette, hein, pour pas que vous entendiez le son. Mais c'est un bouton qui est apparemment très sensible, c'est le bouton B. On va le faire comme ça plutôt, hein. Ce sera plus simple. Je sais pas si je vais vous avoir les deux sons, les enfants. Hein. Non, je pense que je vais pas avoir les 200. Clairement pas, regardez-moi ça. On est déjà au remerciement de fin, aux compagnies de fin et tout, donc ça m'étonnerait. Ouais, si j'arrive à 100, on est bien. Hein. Si j'arrive à 100, on est déjà cool. Oh, regardez qui c'est qui est là. C'est notre copain à la con, là, qu'on déteste. Non, mais derrière toi, il est. Voilà, on va arriver à 100 avec lui. Voilà, 101. Ah si, le donne, oui. Nothing really. We took care of all the remaining devils and that was it. I still have a job to do that's far from done, which is to eliminate every last demon. I need to ensure that monsters like my father never come about again. And he promised to help me hunt down the demons, even though he's part one himself. But now I realize that there are humans as evil as any devil, as well as kind and compassionate demons in this universe. At least I've found one so-called devil who is able to shed tears for those he cares about. That's enough for me to believe in him. Now I can start my business. Oh, speaking of a kind devil, he finally decided on a name for his shop. It took him quite a while to pick one. Want to know the name? Devil May Cry. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin, on y est. Il n'y aura rien d'autre après ça. C'était pas 200 en fait, c'était 100, donc j'ai largement fait. À la limite quand même, hein. c'était très bas. Mais j'ai réussi à le faire, donc vous avez vu la fin. Et c'est pour ça notamment que Devil May Cry 3 est le premier dans l'ordre chronologique de l'histoire, dans l'ordre du scénario. Parce que sinon c'est le bordel, clairement. Si vous commencez par le 1, alors vous pouvez commencer par le 1 et aller sur le 3. Mais si vous voulez le faire dans l'ordre chronologique, celui-là à faire d'abord. Voilà, donc comme ça on a toutes mes notes qui sont dégueulasses, hein, clairement. Et encore ça va, il est gentil, hein, mais j'ai eu qu'un seul A, en sachant qu'il y a du double S, hein, à pouvoir choper. Et voilà, ne t'arrête pas, il te reste encore beaucoup de boulot à faire. Ouais, bah non. Le mode difficile est disponible, musée, le mode Bloody Palace, Virgil est disponible, et oui, parce qu'on est sur la Special Edition. Nouveaux costumes, les vidéos ont été placées dans le musée, et les illustrations ont été placées dans le musée, voilà. Sauvegarder, bien évidemment, parce qu'on va garder tout ça bien au chaud. Ah, on en aura chié. On en aura chié, les enfants. Voilà, et donc, bien évidemment, je ne vais pas jouer avec Virgil. Alors, pourquoi ?
pourquoi ne pas jouer avec Virgil et jouer à la Special Edition, vous me direz. Mais tout simplement parce que... Bah en fait ça sert à rien. Il y a juste une cinématique au début où il rencontre Arkham et où il discute 5 secondes mais qui n'a aucun intérêt, vraiment, il vous apprend rien du tout. Et enfin, c'est tout. Mais après, quand vous jouez Virgil, bah à la place de combattre Virgil, vous combattez Dante. Et c'est tout, en fait. Voilà. Donc, du coup, on ne le fera pas, bien évidemment. Il n'y aura pas de vidéo YouTube. Si, il y aura des vidéos YouTube la semaine prochaine. Qu'est-ce que je raconte au moment où j'enregistre, c'est bon, en fait. Mais il n'y aura pas de vidéo YouTube si la semaine où il y aura le fan festival, en fait. Donc, la semaine du 4 février. Parce que je n'aurais pas enregistré de Chronique du Démon, tout simplement. J'aurais pas été en stream. Donc, ça aurait pas été possible. Quoi qu'il en soit. Je vous fais des gros bisous pour YouTube, on se retrouve peut-être ou peut-être pas pour une chronique du démon, on va y réfléchir, et on se retrouve une autre fois tout simplement. Bisous YouTube, bye bye. Et n'oubliez pas une chose YouTube, hein, plus jamais en normal, plus jamais.